Je vous présente un tuto, vous allez le voir, assez facile pour réaliser ces broches Bubbles qui ont un effet assez incroyable et que vous avez beaucoup aimé. Il vous faudra pour cela de la résine UV ou de la résine époxy bicomposant classique. Bon, la résine UV a l'avantage de durcir beaucoup plus rapidement sous lampe UV ou à la lumière naturelle du soleil. Le deuxième élément indispensable, ce sont les poudres soie que je vous ai déjà présentées et que vous trouverez sur la boutique dans plein de nuances, comme vous le voyez, du saphir, or jaune, vert canard. Et j'ai aussi fait une petite variation avec les poudres Galaxy, qui sont des micro-paillettes, qui donnent un effet étonnant de brillance, vous voyez, avec des couleurs différentes suivant l'angle sous lequel on les regarde. Alors ne vous étonnez pas si j'ai des poignets très gonflés, j'ai une double tendinite super sympa qui me fait pas mal souffrir. On commence par réaliser une plaque de pâte noire. Moi, dans ma machine, j'ai fait une épaisseur 2. C'est une Imperia qui comporte 6 crans, donc c'est la deuxième plus grande épaisseur. Mais vous pouvez aussi travailler avec une pâte foncée, n'importe laquelle, mais le foncé est important, il faut que ce soit vraiment très foncé. Je sélectionne 3 emporte-pièces circulaires. Bon, vous voyez, là, j'ai déjà découpé une forme de 3 tailles différentes. J'ai choisi 3 cm, 2 cm 4 et 1 cm 9. Alors, moi, je vous donne un bon conseil, c'est découper plusieurs formes tant qu'à les faire cuire, parce que une fois qu'on a commencé à essayer les poudres, on a envie d'essayer toutes les combinaisons, toutes les couleurs. Donc là, j'en fais 3 de chaque. Je vais ôter l'excédent et je vais décoller délicatement mes formes à l'aide d'une lame rigide pour les placer dans l'outil à perles creuses de Sculpé que j'aime bien, qui permet de créer des formes courbes et ici en l'occurrence des cupules. Donc là, j'ai 3 tailles, donc je vais adapter évidemment la taille au diamètre de ma cupule. Je place le plus grand ici. Je lisse pour éviter qu'il y ait des bulles dessous. Alors ne placez pas vos disques de pâte de l'autre côté, parce que pendant la cuisson se forment très souvent des bulles entre la pâte et la surface métallique, et c'est exactement la partie creuse que nous voulons utiliser. Et si on fait ça, on va se retrouver avec des creux, des marques à l'intérieur. Et ça n'arrivera pas si on le place de ce côté. Donc travaillez comme ceci. Je place la deuxième taille juste en dessous, et ainsi de suite avec toutes mes formes. Je lisse un peu les bords pour qu'ils soient un peu arrondis. Et une fois que tout ça est fait, bien lissé au doigt, bien propre, je vais le mettre à cuire, bien évidemment, 30 minutes à la température indiquée pour la pâte que vous utilisez. Une fois les pièces cuites, vous pouvez les poncer pour en améliorer la finition. Nous allons poser de la résine et de la poudre, et la moindre petite bulle, la moindre petite crevasse se verrait. Donc je ponce avec un très gros grain, là il s'agit d'un Abranet 320. J'améliore les bords que j'adoucis. Je vais également poncer l'intérieur afin d'égaliser la surface, qu'elle soit impeccable pour la pose de nos poudres et résines. Vous pouvez également poncer avec un papier abrasif à l'eau classique, grain 360 ou un micro-mèche, grain 1500. Je ponce les bords, comme vous voyez, et je vais poncer l'intérieur. Il n'est pas nécessaire de poncer le dos, c'est-à-dire la partie bombée. Pour poncer l'intérieur, je ponce d'abord grossièrement pour que mon abrasif accroche ensuite. Et dès que c'est suffisamment poncé, je peux le placer, vous voyez, au creux de ma main, il ne bougera pas. C'est beaucoup plus pratique pour poncer. Il s'agit là de poncer grossièrement pour effacer tous les défauts, les petites bulles, les crevasses. On n'a pas besoin d'ultra précision. Voilà, ça paraît tout à fait convenable et je vais maintenant procéder de la même manière pour les autres disques. Nous allons maintenant réaliser dans le reste de pâte foncée, évidemment même couleur que vos cupules, donc moi j'ai fait du noir, des boudins dont le diamètre doit correspondre à celui de la cupule qu'ils vont soutenir. Le boudin déjà réalisé correspond à la cupule de taille moyenne, vous voyez qu'il a un diamètre moyen et il fait à peu près 2-3 cm de longueur, de toute façon on va le recouper. Je viens d'en faire un plus fin pour soutenir la toute petite cupule. Et enfin un gros pour soutenir la grande. Donc ce sont des tiges sur lesquelles on va venir placer les coupelles. Nous allons maintenant découper les cercles qui vont servir de base à notre broche. Donc toujours une plaque de pâte, toujours épaisseur 2 sur mon Imperia. Donc j'ai choisi des emporte-pièces plus petits que les lentilles. Un gros pour celui-ci, mais plus petit que la lentille. Donc je découpe mon support, voilà. Et même chose pour les deux autres. Donc là, un emporte-pièce plus petit que les deux autres. Je garde le même et je découpe deux bases pour ma broche. Maintenant que mes supports sont découpés, je vais les assembler. Donc je laisse en place le grand, je décolle les deux petits, que je place deux barres et d'autres, comme ceci. Et c'est sur ces cercles que je vais placer mes tiges, sur lesquelles je viendrai ensuite placer les lentilles.
Donc la moyenne vient ici, la petite vient ici et la grande, voilà. Et on a également trois hauteurs différentes. La grande sera au milieu, moyenne, à hauteur moyenne. La lentille moyenne sera la plus haute et la petite lentille sera la plus basse. Je découpe la tige pour ma grande lentille à peu près 1,5 cm. Je la place dessus, enfin au dos. Et à l'aide de mes pouces, je vais appuyer à la base de la tige pour écraser la pâte au dos de ma lentille. On zoome de façon à ce que vous voyez bien ce que je fais. J'écrase progressivement pour créer une sorte de grolle qui vient se coller au dos de ma grande lentille. Nous allons maintenant déposer notre champignon creux sur sa base. Je l'applique au centre si possible, hein. J'appuie un petit peu pour le faire adhérer. Et je vais procéder comme tout à l'heure, je vais doucement avec mes pouces appuyer pour faire adhérer ma tige qui, vous voyez, hein, j'ai appuyé, donc elle s'est écrasée, épaissie, ça n'est pas grave. On peut tout à fait récupérer, vous voyez, je la rallonge un petit peu. Et puis voilà, donc là je travaille mon support pour le faire bien adhérer. À l'aide d'un petit outil de modelage taille médium, je vais lisser les bords. Et puis je vais travailler tout autour pour bien réarrondir tout ça, pour que la forme soit jolie. Je vais réarrondir. Le point important, c'est que votre base ne doit pas être plus grande que la cupule. Je pose, j'incline légèrement sur un côté la cupule, ce sera plus joli à la fin. Et nous allons procéder de la même manière pour les deux autres tailles. Donc cette tige sera plus longue puisque la lentille moyenne sera la plus haute. Donc là je mets 2,5 cm, 3. Vous pouvez mettre un peu plus hein, si vous voulez que ça soit vraiment très très haut. Comme tout à l'heure, j'applique. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas trop appuyer parce qu'en fait on ne veut pas fixer là la tige à la lentille. On l'ôtera plus tard. On ne va pas faire cuire tout ça ensemble. J'ai essayé et ce n'est pas une bonne idée. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Là, on va séparer tout à l'heure la lentille. Donc là, même chose, j'applique sur ma base. Comme tout à l'heure, je modèle de façon à bien fixer les deux ensemble. Alors là, par contre, il faut que ce soit bien fixé. Alors évidemment, le fait de manipuler comme ça la pâte, vous le savez, ça la déforme un petit peu. Mais ça n'est pas très grave, ça donne un côté plus organique. C'est pas mal. Je réarrondis un petit peu mon support. Voilà, c'est bien. Et maintenant, je vais assembler celle-ci avec l'autre. Et je fais chevaucher les deux. Alors j'écarte un peu, vous voyez, voilà, je fais chevaucher sur la grande. À l'aide de mon outil de modelage, je viens appuyer doucement, pas trop fort, parce qu'on fera ça tout à l'heure. On voit bien que celle-ci est plus haute que celle-ci. J'incline, c'est toujours plus joli incliné. Et enfin, on va finir avec la dernière, qui donc est la plus basse, donc ça sera la plus courte. Même chose, on applique. Alors appliquons ce dernier sur les deux autres, chevauchant les deux autres. Donc vous voyez qu'il est plus bas que celui-ci et plus bas que le moyen. Alors, on va fignoler tout ça. Après avoir retiré les lentilles, on tire un peu, ça déforme, hein, mais il ne faut pas trop vous inquiéter pour ça. Alors, pourquoi ne pas laisser les lentilles en place? Eh bien tout simplement parce que si on les fait cuire en place, comme ça, elles seront inclinées. Et voilà ce que ça donnera. Et donc, lorsque vous allez vouloir les remplir de résine, il faudra les mettre dans une position parfaitement horizontale. Pour cela, vous pouvez fabriquer un petit support en pâte polymère crue, par exemple, et poser votre broche dessus de façon à ce que la lentille soit parfaitement horizontale. Vous remplissez de résine, puis vous prenez votre support en pâte crue, la broche, vous mettez tout ça dans votre lampe UV, et vous cuisez de façon à ce que la lentille soit parfaitement horizontale. Et ça, il faut le refaire pour chaque lentille. Et ça demande quand même une bonne expérience de la résine UV, parce que si c'est légèrement incliné, ça va couler, ainsi de suite. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire ce que j'ai fait là. On fait d'abord les lentilles, on fait cuire le support à part, on va remplir les lentilles qui sont pré-cuites de résine, et elles seront parfaitement horizontales. Et ensuite, on fixera ces lentilles sur le support. J'affine le modelage avec mon outil médium. De façon à effacer les raccords. Réarrondissez bien les formes tout autour. Alors moi j'ai placé mes pièces de cette façon, mais vous pouvez tout à fait les placer autrement. Et vous pouvez aussi, si vous souhaitez, en mettre 4, 5, des plus petites, des plus grandes, c'est vous qui voyez.
Lorsque vous avez terminé, vous mettez votre support à cuire en respectant les indications de temps et de température du fabricant de la pâte. N'oubliez pas de fabriquer plusieurs supports si vous avez fabriqué plusieurs lentilles de chaque taille. Et voici la partie la plus rigolote de ce tuto, c'est la coloration de nos petites coupelles. Donc je vais utiliser moi de la résine UV parce que c'est beaucoup plus rapide qu'une résine classique, un bicomposant qui exige plusieurs heures voire jours pour durcir. Donc là j'en mets une toute petite goutte, mais vraiment minuscule. Celle-ci est presque trop grosse. Ce que je veux faire en fait, c'est me servir de cette résine comme d'une colle pour faire adhérer la poudre. Donc il en faut vraiment très très peu, une très très fine couche. J'étale bien partout sur la surface ainsi que sur les bords de ma pièce. Et je vais enlever l'excédent avec mon pinceau de façon à ce qu'il n'y en ait pas trop, que je vais immédiatement rincer à l'acétone, sinon il va sécher et devenir absolument inutilisable. Une fois votre pinceau bien rincé, essuyez-le avec un papier absorbant, de façon à ôter toute trace d'acétone et de résine. On va maintenant colorer à la poudre. Donc moi j'ai choisi d'utiliser la couleur anthracite, qui est un gris très foncé. Et vous allez le constater, il faut vraiment prendre très 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 peu de poudre pour colorer. D'abord parce qu'elle est très couvrante, et puis parce que la résine va immédiatement retenir la poudre qui nous est nécessaire. Donc vous voyez, je tamponne et puis j'étire. J'étire, comme avec la peinture, sur nos murs. On étire pour utiliser le plus possible de la poudre. Donc il ne faut pas faire de surépaisseur. Inutile d'avoir une grosse épaisseur, ça ne sert à rien. Ce qui donne tout l'effet, c'est la poudre en fine épaisseur, puis la résine qu'on va rajouter dessus. L'épaisseur n'apporte rien. Par contre, il faut bien couvrir toute la surface. Vérifiez régulièrement en tournant votre pièce qu'il ne reste pas de zone noire non couverte. Donc faites aussi les bords. Travaillez au-dessus du pot, ça vous permettra de faire tomber la poudre en excédent directement dans le pot et de ne rien perdre. Puis comme vous le voyez là, on commence à apercevoir des petites nuances rosées, rouges. C'est le propre de ces poudres qui ont en fait des reflets de couleurs très intéressants. Ça me paraît très bien, la couleur est vraiment belle. Regardez ce gris profond et nous allons passer à la suite. Pour résiner la pièce, il faut qu'elle soit bien horizontale, bien à plat. Donc j'utilise ce petit moule silicone qui sert pour la résine et que j'utilise comme support. Voilà, donc je fais couler la résine. Si la pièce est bien horizontale, la résine va se répartir uniformément partout. Vous pouvez en mettre plus que je ne l'ai fait là, afin d'avoir un bombé plus important. Mais il faut savoir que vous pouvez aussi le faire en deux fois, c'est-à-dire faire remplir et puis faire une deuxième couche pour un bombé plus important. Vous faites tourner votre pièce de façon à bien vérifier qu'il n'y a pas de bulles, de manques, etc. On utilise un outil pointu ou un cure-dent afin de tirer la résine vers les bords si elle n'est pas parfaitement répartie. Là, ça n'est pas le cas, elle est très bien répartie. Donc j'ai passé un petit coup de flamme pour faire éclater les bulles, mais il n'y en avait pas. Donc je mets à durcir dans la lampe UV que vous ne voyez pas, qui est à l'extérieur de l'écran et qui n'a pas grand intérêt. Je rince mon pinceau afin que les couleurs ne se mélangent pas. On peut tout à fait les mélanger si on le souhaite, mais là je ne souhaite pas mélanger la couleur suivante au gris anthracite que j'ai utilisé avant. Donc je vais réaliser la deuxième coupelle, exactement comme la première. J'ai choisi d'utiliser du violet, c'est une de mes couleurs préférées. Une toute petite goutte comme tout à l'heure, et pour la suite c'est exactement pareil que la précédente. Si vous n'avez pas de support comme le mien, vous pouvez tout à fait en fabriquer un avec de la pâte par exemple. Vous formez un boudin d'une hauteur suffisante pour que vous puissiez le saisir avec vos doigts et vous venez placer votre cupule dessus. Vous remplissez, alors vous le placez bien à l'horizontale, vous regardez au ras pour vérifier qu'il est bien à plat et puis vous suffit de le décoller et de le mettre dans votre appareil UV. Donc là comme tout à l'heure, je vais remplir avec la résine UV. Vous pouvez en mettre un peu, comme je le fais là. Regardez comment le cercle de résine se répand et vérifiez s'il est bien centré. S'il ne l'est pas, c'est que votre pièce est légèrement inclinée à droite ou à gauche. Alors il vous suffit de la pousser un petit peu pour la redresser. Je complète avec la quantité de résine nécessaire pour avoir un joli bombé. Je fais tourner pour bien vérifier. Je vais mettre un petit coup de flamme, alors très rapide. Si vous restez trop longtemps sur la résine, vous la brûlez. Laissez aussi quelques secondes aux bulles pour remonter avant de passer la flamme.
et on met tout ça dans la lampe UV à durcir. Pour cette troisième cupule, j'ai choisi le bleu saphir. J'en profite pour parler de la contenance des pots. Parfois, certains ont l'air moins pleins. Ils le sont, effectivement. Mais en fait, c'est parce que la poudre est vendue au poids et non au volume. Et certaines couleurs, comme les bleus, les verts, ont une densité supérieure aux autres couleurs, ce qui fait qu'ils occupent moins d'espace dans le pot. Mais le poids est exactement le même que pour les pots d'une autre couleur. Alors bon, là, il y a quand même une grosse différence entre le gris anthracite et le bleu que je vous montre, parce que j'ai utilisé beaucoup plus de bleu que de gris anthracite. Mais c'est normal, les pots contiennent le même poids, mais un volume différent. C'est également valable pour les poudres Perlex, par exemple, qui parfois sont pleines aux trois quarts et d'autres fois pleine à moitié, et pourtant le poids est strictement le même. Certaines couleurs ont une densité différente. Donc là, je vais, comme pour les deux autres, tamponner et peindre ma poudre sur ma cupule. Et voici le résultat de nos coupelles résinées. Regardez ces couleurs comme c'est beau. Alors c'est assez difficile à filmer parce qu'évidemment la résine brille beaucoup. Et c'est pas évident de voir les couleurs. Mais il faut que vous le fassiez parce que vous verrez par vous-même que les couleurs sont vraiment splendides. On va travailler maintenant sur le dos de notre broche pour y fixer l'agrafe. J'ai fait plusieurs supports de façon à pouvoir m'amuser un petit peu. Donc nous allons réaliser le dos dans une nouvelle plaque de pâte noire que j'ai faite à l'épaisseur 2 de ma machine. Je vais poser mon support et appuyer fortement pour le fixer, le temps de découper tout autour, ce qui va constituer le dos texturé de ma broche. Je décolle mon support, puis je décolle proprement la plaque du dos. Je viens l'appliquer sur la forme, au bon endroit bien sûr, et avec mes doigts, j'appuie pour bien fixer la pâte, la lisser et la fixer sur le dos du support des coupelles. Je vais utiliser une agrafe dorée parce que je n'ai plus d'argenté pour ce tuto. Mais si j'avais eu de l'argent, j'aurais plutôt mis cette couleur. Placer l'agrafe sur la pâte crue pour bien la fixer. Alors moi je la mets dans la plus grande longueur évidemment, mais c'est à vous de voir comment vous la placez suivant la façon dont vous souhaitez que le bijou soit porté. Sur ce modèle, il me restait encore une agrafe argentée, je l'ai placée de cette façon, mais c'est à vous de voir ce que vous préférez. J'appuie fortement pour bien marquer l'emplacement, puis je vais ouvrir l'agrafe en essayant de ne pas piquer et appuyer à nouveau pour bien placer celle-ci dans la pâte. Pour faire tenir notre agrafe au dos de la broche, on va rajouter un renfort en pâte polymère. Je découpe une bande de 5-6 mm de largeur, d'une longueur correspondant à celle de l'agrafe. Et je viens l'appliquer, la poser sur l'agrafe, comme ceci. Je coupe l'excédent et je lisse de façon à ce que le raccord ne soit pas visible, tout en appuyant pour bien maintenir l'agrafe dans la pâte polymère. Faites ça avec vos doigts, ce sont des outils fantastiques pour faire plein de choses. Vous lissez bien. Et si vos doigts ne sont pas assez fins, eh ben, il faut utiliser un petit outil de modelage micro, comme ceux que vous pouvez trouver sur la boutique, qui sont vraiment super pour faire tous ces petits détails très fins. Ils sont très souples, ils ne laissent pas de marques et permettent vraiment de lisser, de travailler très délicatement. Alors, pour le texturage de ma pièce, j'utilise un outil aiguille. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez tout à fait appliquer une texture, une mousse, etc. Moi, j'aime bien utiliser cet outil aiguille qui me permet de faire un dessin de rayons. Je pratique tout le tour de la pièce. Voilà, le texturage de mon dos est terminé et puis maintenant nous allons découper l'excédent de l'autre côté en prenant évidemment garde à ne pas saccager la jolie texture que l'on a fait au dos. On lisse du bout du doigt afin que les bordures soient bien propres. C'est très important ça, d'avoir toujours des bords impeccables, c'est ce qui fait une jolie finition sur vos pièces. Je lisse, j'enlève les petites cochonneries qui ont pu se mettre sur la pièce et je vais recuire le tout une dernière fois. Je vais maintenant fixer les cupules sur le support. Pour cela, j'utilise de la colle bicomposante hyperaldite.
Je préfère utiliser celle-ci à la superglue, par exemple. La superglue devient cassante avec le temps. En fait, elle est sensible à la lumière et elle finit immanquablement par se décoller. Alors qu'avec la Ralite, ça n'arrive absolument pas. Donc, on mélange pendant une trentaine de secondes, si on a une grosse quantité, mais là un peu moins, les deux composants qui sont manipulables pendant 4 à 5 minutes. Déposer une petite goutte au dos de la plus grande cupule. Là, j'en ai mis un petit poil trop, mais bon. Et placer là sur le support. Alors, l'intérêt aussi de la Ralite par rapport à la superglue, c'est qu'elle reste manipulable pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez collé avec de la superglue, vous ne pouvez plus rien bouger. Avec la Ralite, vous pouvez bouger votre pièce, si le placement ne vous convient pas, pendant quelques minutes, 3-4 minutes environ. Là, je réalise un petit support en pâte polymère crue juste pour que ma pièce ne bouge pas le temps que je place les autres. Et donc je vais toutes les coller selon mes souhaits avec la Ralite. Alors il faut savoir que la Ralite devient plus épaisse au fil du temps, au fil des secondes. Et je vous conseille d'attendre qu'elle ait un peu épaissi pour placer vos pièces parce que sinon elles vont glisser. Et c'est exactement ce qui m'arrive là. Elles glissent et c'est super pénible parce qu'il faut fabriquer des petits supports pour pas que ça s'en aille. Donc attendez 2-3 minutes que la Ralite commence à épaissir. Comme ça, en appuyant, en plaçant vos pièces et en les fixant, en les appuyant, vous êtes sûr qu'elles tiendront en place. Bon voilà, donc vous voyez, j'ai fabriqué des petits supports pour soutenir mes coupelles pendant qu'elles sèchent. L'assemblage est manipulable après 20 minutes. Et atteint sa pleine solidité après 2 heures. Donc laissez-le de côté le temps qu'il prenne bien. Et voici la magnifique broche que nous venons de réaliser, donc dans les 3 couleurs choisies, anthracite, violet et bleu saphir. Mais vous pouvez bien sûr utiliser plein d'autres couleurs, puisqu'il y en a plein dans la collection des poudres d'effet soie, l'or jaune par exemple, le vert canard, le bleu saphir que l'on vient de voir, voilà ce que ça donne. Elles sont très très lumineuses ces couleurs. Vous pouvez bien sûr les mélanger entre elles, ça il n'y a aucun problème pour créer vos propres nuances. Voici le vert clair. Voilà ce que ça donne. Là c'est le magenta foncé. Et l'argent. Un autre exemple avec le brun cuivré sur la grande cupule. Très difficile à filmer, mais c'est une couleur très belle, très profonde. Le prune et le violet. Et on peut aussi utiliser un autre type de poudre qui est la poudre galaxie. Poudre galaxie que voilà, qui sont des poudres en fait composées de micro-paillettes, de paillettes très 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 fines, qui brillent sous la lumière et qui, suivant l'angle sous lequel on regarde, présentent plusieurs couleurs en fait. Donc là on avait un bleu-vert turquoise. Et ce qui est très étonnant avec ces poudres, c'est qu'elles apparaissent blanches, et dès qu'on les pose sur un support foncé, noir c'est toujours mieux, eh bien elles révèlent leur couleur, leurs couleurs, parce qu'en fait il y en a plusieurs. Donc celle-ci, vous voyez, c'est un or qui est aussi vert, suivant l'angle sous lequel on le regarde. On voit assez bien l'effet là. C'est assez magique. Et dès que c'est résiné, ça prend encore une autre dimension, puisqu'on ajoute de la profondeur. C'est assez bluffant et vraiment joli. Alors, il existe plusieurs couleurs. On va essayer par exemple l'indigo. Vous voyez, elle est blanche et dès qu'on la pose sur le support, hop, le bleu, ce bleu-violet apparaît. Je crois qu'on voit pas mal là. Regardez ça comme c'est joli. On peut essayer la poudre galaxie multicolore. Alors là, c'est pareil, pas de surépaisseur. Si vous faites des surépaisseurs, l'effet s'annule. Donc il faut bien étaler. Regardez comme c'est joli. On a toutes les couleurs, en fait, sur une seule poudre. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec ces poudres d'effet galaxie. Voici par exemple le cuivré. Alors si je l'incline, vous allez voir, voilà, si je l'incline, on voit plusieurs tons bleu, vert, cuivre. Et donc suivant la façon dont la personne qui porte le bijou va bouger, elle va découvrir des couleurs, vous voyez, bleu, vert, elle va découvrir de nouvelles couleurs. Voici une broche
entièrement réalisé en poudre galaxie. En bougeant et en tournant, je fais apparaître de nouveaux tons. Voilà pour ces broches bubble réalisées avec les poudres soie ou les poudres galaxie. C'est à vous de choisir maintenant et surtout de vous amuser. À très bientôt sur Polystudio pour de nouvelles inspirations, de nouveaux produits et de nouveaux tutos. Merci.